Alors montre-toi sans jouer. 3, 4, 1. Allez, on saute. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce qu'aujourd'hui, on va faire une journée. Comment? Garçon! Alors, je vais expliquer le challenge parce que elle est pas trop. Regardez, au courant. Regardez, c'est super girly dans ma chambre, tu vois. Enfin, voilà. Voilà. Alors, je vais expliquer le challenge. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris en regardant la miniature, alors Lily Rose a une chambre de, on va dire, de filles typiques. Alors, on fait pas cette vidéo pour être sexiste, pour dire ah les filles vous devez aimer ça, vous aimez le rose, etc. On fait ça pour rire. On vous dit pas ce que vous devez aimer, mais on va dire que les gens ont des préférences. Donc, on va changer la chambre de Lily Rose en chambre entre guillemets de garçon, voilà pour ceux qui n'auraient pas compris, et aussi ses vêtements, et elle va devoir passer une journée. Oh non, en plus j'ai mis mon legging de sport. Elle va devoir passer une journée comme un garçon, voilà. En plus, le pire c'est que j'ai des chaussettes garçon. Suivez-nous, voilà. C'est Alors, tout de suite, on va changer la déco de Lily Rose parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de trucs assez féminins. Enfin, oui. Et à la place, j'ai pris une valise avec plein de jouets garçons. J'ai pris un dinosaure, des dinosaures, des transformers. Quand j'étais petite, j'adorais les dinosaures. Je sais pas pourquoi. On va poser tous les objets filles dans le lit et on va les changer avec les objets comme ça. Ça, c'est fille. Tu m'aides ? 3, 2, 1. Avant, on avait un cochon d'Inde et je l'avais mis dans le camion. C'est vrai. Toi, c'était pas encore né quand on l'avait, donc. Donc on va commencer avec l'étagère. Allez, on enlève ça. Là. Le dop. Je pense qu'il y a certains garçons qui aiment pas le rose comme ça pour le dop. Les smoochies, bon, il y en a pour les garçons. Non, mais après on devra tout ranger. Bon, lol, on l'enlève pas. Non, le lol, on l'enlève pas. Tu vas devoir dormir par terre. Bah non, c'est pas un lit de fille. Là, on va se charger de ce coin-là pour l'instant et on va mettre quoi? On va mettre le petit dinosaure. Une fleur avec un dinosaure. Voilà, par contre, on n'y avait pas trop pensé, mais cette étagère fait un peu fille, mais on va le laisser quand même. Mais ça fait flipper ce truc. Ça fait les poupées lol, tout non, ça. Non, là, elle est vraiment. Ça lui fait pas du tout plaisir de faire ça. Alors, le camion, je pense qu'on va le remplacer avec ça. Non, mais les Atimols, ça va parce que j'ai un copain qui aime bien les Atimols. Du coup, merci beaucoup à Adeline, à Jenny, à Ouda, à Neko et à Lou. Et à Lou. C'est là qu'on se rend compte que Lily Rose a énormément de jouets quand même. C'est sûr que tu veux pas en donner une partie aux abonnés. Mettez en commentaire hashtag Lily Rose, donne-moi tes jouets. Alors, suivant. Garçons qui peuvent aimer ça, hein. Non, non, bah non, moi j'ai demandé aux garçons, ils aiment pas, voilà. Alors voilà, on a vidé l'étagère, des choses qui font un peu trop filles, donc là on va remplacer. Est-ce que ça te plaît comme ça? Pas du tout. C'est trop vide. Ça lui plaît pas du tout, et en plus, regarde ce que je vois là. Seul Luna. Mais c'est... Non mais... Si vous êtes un garçon, dites-nous mais en commentaire si vous aimez bien Seul Luna. Ah ouais, ça fait guerre et tout. Alors... Ensuite, on a Transformers. Alors, je sais pas si c'est Transformers. Mais on va le mettre quand même. Un petit dino. Oula, un chevalier. On a prévu un maximum de choses. Mais il y a des garçons qui ont les cheveux longs, donc je peux les laisser quand même. Non, non, tu vas les attacher. Ça, c'est pour mettre sur ton lit. Comme ça, on ne voit pas les trucs roses, les combinaisons, etc. Ouais, mais on va enlever tous. Attends. Ensuite, j'ai prévu un petit short de bain. Short de bain, alors j'ai pas trouvé mes pantalons à sa taille, donc j'ai pris un short. Ah non. Ensuite, j'ai prévu un gilet. Oh non, il est cassé. Alors ça, c'est clairement un gilet banal en gris. Oh, c'est exprès. Hop. Oh. Et une casquette PlayStation. Non. Hop, voilà. Donc là, tu vas te changer et on filmera une fois que ta transformation sera effectuée. T'es prête? C'est l'envie. Ça, tu sais que ça va se retrouver en fin de vidéo. A few moments later. Alors voilà, la transformation est effectuée. Alors montre-toi sans jouer. Voilà, alors là c'est magnifique. Mes chaussettes, voilà. Mais... Bah les chaussettes, moi... Comment tu vois ça, vraiment? La tablette. Alors qu'est-ce que font les garçons que ne font pas les filles? Que dirais-tu maintenant? Qu'est-ce que les garçons préfèrent à l'école en général? Les maths? Le foot, le sport? Les maths, tout. Tout le monde aime bien en vrai. Ou tout le monde aime pas, ça dépend. Alors du coup, j'ai préparé un peu de sport pour toi. Okay.
parce que je sais que... En plus, je voulais aller partir courir. Donc, on va aller chercher des haltères et... Quoi ? Un petit tapis et tu vas te mettre à faire des pompes, etc. D'accord ? Alors, Lily Rose est en train de traîner sur ta tablette, comme d'habitude. Pendant ce temps-là, j'ai préparé quelques petites attractions. Un tapis, voilà, un tapis Marty. Et des petits poids en équilibre de 1 kg. Mais pourquoi t'as pas pris les barres ? J'ai pas pris les barres parce qu'on va pas s'en servir. Normalement, à ton âge, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, j'ai prévu ça pour faire des pompes. Premier exercice, tu vas devoir prendre un poids. Tu vas devoir prendre un poids dans chaque main. Et avec ça, tu vas devoir faire 10 allers-retours comme ça. C'est 1 kg, 1 kg chacun. Voilà. Donc c'est le minimum, j'ai pas trouvé 500 grammes. Voilà, mais des deux mains en même temps aussi. Allez, t'es prête ? Vas-y. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elle est libre. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est... Alors, 5 pompes. 5 pompes. 5 pompes, et à chaque pompe, tu vas devoir faire un saut. Voilà. Ok, j'en comprends. Voilà. Donc tu fais une vraie pompe, voilà, et tu sautes. Tu fais pas une pompe. Voilà, une vraie pompe, allez. Bon, mais non, mais le tapis. T'es sûr le... Bon, désolé si je fais pas les pompes normales, mais le tapis il est pas assez long. Allez. C'est ça. Allez. Une. Ah, mais purée, allez, on mais saute. C'est pas. Attends, mais le tapis il est pas bon. Mais c'est pas grave ça. Allez, 2. Bon, allez, arrête parce que c'est pas du tout les vraies pompes là. Mais oui, mais je sais, mais je sais pas. Mais c'est... J'aime pas faire avec Tu regardes Thibaut InShape. Bah oui, j'aime pas avec ça. Ouais. C'est mieux comme ça. Donc normalement, tu devrais savoir faire des pompes. Allez, allez, on saute. Oh là là, c'est saut. Allez, alors dites-nous en commentaire si vous savez faire ça. Bon, allez, stop, stop, parce que là, tu fais. Tu t'énerves. Mais non, mais je sais pas. Alors voilà. C'était la petite activité, donc là c'est le soir. Enfin c'est le soir, il est 18h donc c'est pas vraiment le soir. Donc là on va manger, etc. Sérieux ? Ouais, donc là y a rien de spécial. On se retrouve demain pour savoir ce qu'elle a pensé du challenge. Enfin, plutôt quand je vais me coucher. Pour savoir ce qu'elle a pensé du challenge. A few moments later. Alors fin de journée, Lyros va aller dormir dans cette même tenue. Voilà, donc on a laissé les jouets là parce qu'elle ne veut pas les mettre ailleurs dans sa chambre. Si, c'est toi qui voulais pas. Elle voulait pas les mettre. Elle voulait pas les mettre ailleurs. Toi. Et je confisque ça quand même. Non, s'il te plaît. La licorne. Dites-moi si vous voulez gagner ça en commentaire. Non, 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 jamais de la vie, par contre. Oh, son œil. Donc là, on lui souhaite donc bonne là, nuit. Dites en commentaire bonne nuit Lily, hashtag bonne nuit Lily. Je suis sûr qu'il y aura zéro commentaire qui va dire ça, mais ça serait drôle. La personne qui fait ça, je l'épingle. Bon, allez, c'est-à-dire que je mets son commentaire en haut. Donc, je renomme ta chaîne Blue Lilo Vidéo pour le jour de la sortie de la vidéo. Tu vas mettre Blue Lilo Vidéo. Ouais, tout le monde va se désabonner. Non, je rigole. Non, je vais pas le faire. J'aime pas renommer les chaînes. Donc, bonne nuit, et on se retrouve demain matin pour le déjeuner. Salut. A few moments later. Lily Rose qui aménage sa chambre. Tu sais que c'est pas fait pour ça. Alors, j'ai une nouvelle perruque pour toi. Ouais. Une nouvelle perruque que tu vas pouvoir mettre. Je vais dormir. Pour avoir une petite calvitie. Non, mais j'ai envie de dormir. Alors, voilà, elle s'est réveillée. Alors, une petite séance de sport. Là, tu nous fais 2-3 haltères. 2-3 petits coups d'haltères pour le réveil. Non, non, pas des pompes. Alors, ouais, et si tu faisais ton outro. Alors d'ailleurs, il y a plein de gens en commentaire chaque jour qui me disent « Ah, c'est pas outro, c'est intro. » Non, quand c'est à la fin de la vidéo, c'est outro. Intro, c'est au début de la vidéo. Ouais. Donc voilà, maintenant vous savez. Je suis un peu fatiguée. Hein. Alors c'est bon, tu t'es transformé en garçon une journée, tu veux rester un garçon maintenant ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bah. Bye. Et voilà. Abonnez-vous 3 fois même. Si t'abonnes 7 fois, tu auras du chocolat. T'as dit quoi? Du chocolat. Ah. Allez. Oh non. Sinon, ça t'a plu comme vidéo? Non, mais... La petite... En plus, t'as marché dans le caca, là. C'est toi, le caca. Regarde, j'ai marché dans le caca. J'ai marché dans le caca. Arrête.
petite banane. J'ai marché dans le caca. Arrête. C'est toi le caca. Bon, allez. Bye bye.